Voilà. Le meilleur coiffeur de Tanger. Je travaille aussi avec les cinémas. C'est le tagman, oui, je connais. Tout le monde vient chez toi. 200 dirhams. Ah ouais. On dirait un ninjaku. Regarde, pas l'argent, on n'a rien. Moi, j'ai un copain gratuit. Je fais des massages aussi de la tête. C'est vrai? Tu fais des massages thaïlandais de la tête? Ouais. Pour lui. C'est gratuit pour lui. Ouais. Mais un coiffeur qui enlève les boutons de ses clients, ça, j'ai jamais vu. Regarde. Voilà, non, non, après, on va faire la barbe Dubaï. C'est le relooking extrême. Sartek la coupe. Ouais. C'est bon, hein. Voilà. C'est très ça cool. Te va bien. Ouais. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Petite vidéo très sympa en direct de Tanger pour mes derniers jours ici à Tanger. Alors j'ai terminé d'explorer ce que je voulais explorer et d'ailleurs je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos que j'ai tournées ici à Tanger, mais pas que, hein, parce que ça fait plus de 10 ans que je voyage. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes mes aventures précédentes autour du monde dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo très détente, très sympa. On va aller tester le coiffeur du Maroc ici à Tanger, et pas n'importe lequel, puisqu'on me l'a vendu comme le meilleur coiffeur de Tanger, hein. Voilà. Le meilleur coiffeur de Tanger. Regarde, même pas là-bas, il va créer. C'est quoi aussi. Ah ouais, t'as carrément t'as tatoué les ciseaux. Ouais, tatoué les ciseaux, regarde. C'est chez Abdelaziz. Bonsoir. Abdelaziz, voilà, qui est dans la Médina, à côté de mon auberge. Italien. Donc, le restaurant italien, il s'appelle le restaurant italien. Le restaurant italien. Ouais. C'est quoi? C'est qui? C'est le meilleur italien à faire pour à manger. Ah bon? On va montrer là. Ok. C'est un restaurant italien ou marocain? Ouais, faire c'est pas très grand, mais c'est cosy. C'est petit. C'est parfait. T'es tout seul? Tout seul. Tu as personne qui t'aide? C'est ton salon ici? Tout seul. Les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. Voilà. Tu es originaire de Tanger? Non, je suis des gens de Marrakech. De Marrakech? Ah, c'est pour ça que ça s'appelle coiffeur Marrakech. Marrakech, voilà, c'est ça que j'ai écrit. Ah, d'accord. Barbershop et du Marrakech. D'accord, alors en fait hier quand je suis passé dans la rue, j'ai rencontré Abdelaziz, justement j'avais besoin de faire un petit rafraîchissement. Et il m'a bien vendu son salon parce qu'il m'a montré tous ses diplômes, il a fait ses classes en France, donc voilà. C'est Alexandre. Un coiffeur privé Alexandre, voilà monsieur Abdelaziz Selwan. Voilà. Donc applicateur en défrisage, diplôme de fin d'études, applicateur en coloration, il fait même les colorations. Ouais, il fait tout, regarde, toutes les couleurs j'ai ici. Regarde, toutes ces couleurs, il est génial. Et ici, il n'y a pas d'arnaque en mode voilà, touriste, voilà. Pour toi c'est 150 dirhams. Voilà. Les prix sont affichés. Les prix sont affichés. Y a... Voilà. Allez. Pas comme les autres. Bon, on fait une petite coupe? Ouais, pourquoi pas. Yalla. Merci Abdelaziz. Ouais. Après le coiffeur de Marrakech il y a quelques années, après, je vais le coiffeur de Tanger. Ouais. Tu vas voir maintenant, regarde, si tu veux. Et après, moi, je travaille, moi, Visaziz, regarde. Je travaille aussi avec le cinéma. On nous avait la carte du cinéma, voilà. C'est je travaille avec les grands. Ah ouais? Ouais, je travaille avec Festival tout le international monde. Du ah film ouais, là, de Marrakech. Marrakech. Sartek, hein, bravo. Moi, je suis très loin, mais pas comme les autres. Bravo. Moi, je crois que je suis tombé je sur le. Je vais faire les pas noirs, je vais faire tout des couleurs, les cheveux. Je sais pas et si je fais la coloration à Dubaï. Hésite. Je teste la coloration ou pas? Ouais, pourquoi pas. On va faire. Ça tout. Fait mal? J'ai jamais non, fait. Non, ça fait pas mal. Après, tu es content. Bon, c'est la surprise, je vais voir si ouais, je le fais. Tu vas voir comment changer lui. Maintenant, tu vas voir comment la coupe regarde. Et après, je vais changer. C'est vrai pourquoi que. Pourquoi je vais venir avec le visage, dis-lui. Ok. Je vais faire la barbe et tout. Mais pas comme les autres, je vois pas. Écoute, c'est quoi, Abdel, je te fais confiance. Tu fais d'accord. Ce que tu veux, c'est toi le chef. Oh, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas meilleur, c'est de lui faire confiance, tout simplement. Ça fait combien d'années que tu es coiffeur? Regarde, dis-toi. C'est vieux. 2003, ah 2003. Ouais. Ça fait 20 ans déjà. C'est pour ça que je vais partir avec le visage. Là. D'accord. C'est pas le coiffeur normal. C'est le vrai coiffeur marocain. Le marocain, je travaille beaucoup à Dubaï. T'as travaillé à Dubaï, Dubaï ouais. D'accord. 5 ans déjà. 5 bon, ans à Dubaï. D'accord. Et après, je vais partir au travail en France. Si d'accord. Il ne reste pas beaucoup. Je crois 2 semaines. Comme ça, je vais partir en France. Inch'Allah. Genre, attendez, le visa est sorti. Vas-y. Ouais. Donc ici c'est voilà. 30 dirhams la coupe. Ouais, j'ai fait bon prêt. Ce qui fait à peu près 3 euros. Ouais. 20 dirhams la barbe, ce qui fait alors on va faire la barbe et 2 euros. C'est pas cher, non? 5 euros au total, ouais. C'est pas cher et moins c'est cachère. Cher. C'est pas cher et c'est cachère. Non, moins cher. Dans ouais. Notre place, c'est très cher. Ouais, ouais. 200 dirhams. 200 dirhams ah ouais, avec la barbe, avec les cheveux. Moi, j'ai fait bon prêt pour voir tout le monde qui va venir avec les cheveux.
Tu aimes bien raser ici ou pas? Ouais. Tu veux zéro? Oh, peut-être pas zéro, non, mais... 0,5 comme ça? Je sais pas, je te fais confiance. D'accord. Fais-moi un bon truc, un bon voilà. Dégradé. C'est bon dégradé, il faut un petit peu zéro. Vas-y. D'abord, un peu comme ça. Ah, vas-y. Et après, t'es... Vas-y, je te fais confiance. D'accord. Ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Ah, tu as vu comment il a passé. J'ai besoin d'un vrai visage. Ça fait plaisir, on voit que tu es passionné. Voilà. C'est pour ça que je vais partir en France pour apprendre un peu différent. Tu aimerais ouvrir un salon en France? Voilà. J'espère que j'ai trouvé un client à faire moi financer avec lui. Et lui avec les salons, moi avec les travaux. Ça fait longtemps que tu es à Tanger? Ouais, ça fait 2 mois. Moi, je suis à Tanger. 2 mois? Ouais. Et avant, tu étais où? Je suis à Dubaï. Ah, d'accord. Et tu es resté combien de temps à Dubaï? 5 ans. Moi, 5 ans? Ouais, je travaille, bon, je travaille. Et avant Dubaï? Avant Dubaï, je pars en France. Avant Dubaï, tu étais en France? Ouais. Où ça? À Marseille. À Marseille. Ouais. Donc tu as fait Marseille, Dubaï, Marseille, Tanger. Voilà. D'accord. Et après, je pars. D'accord. Je pars à Paris. Voilà. À Paris, ok. Paris. Et où est-ce que tu as appris le métier? Le métier? Tu travailles à Marrakech. Tu as commencé d'abord à Marrakech? À Marrakech. Et après, tu es parti finir tes formations en France? Oh, voilà. Je travaille dans les hôtels aussi. Dans les hôtels? Les hôtels, le Célina, le Célina. Les 5 étoiles, je travaille. D'accord. Je travaille à l'hôtel, ça s'appelle Hôtel Mamounia. Hôtel Mamounia. Spa. Palace Spa, je travaille. VIP. D'accord. C'est bien, mon père. Je vais faire les femmes et je vais faire les hommes. Tu préfères faire les femmes ou les hommes? Moi, je ferai les deux, les femmes et les hommes. Mais qu'est-ce que tu préfères? Tu as une préférence plus pour les coiffures femmes ou les coiffures hommes? Moi, je suis quelqu'un mix. Mix, d'accord. Voilà. Tu n'as pas de préférence. Le modéliste, d'abord. D'accord. Ici. Je travaille avec les filles. Donc, tu as déjà coiffé des grands acteurs marocains? Ouais, je travaille avec grands acteurs marocains. Je travaille avec. Tu connais Saïd Tagmaoui? Saïd Tagmaoui, je connais. Tu as déjà travaillé avec Saïd Tagmaoui? Non, jamais. Je travaille avec grands salons à Marrakech. Nos jours de repos, moi je partir à Playa, je coupe les pauvres gratuitement. C'est vrai? Ouais. Et bravo, c'est une belle initiative. Ouais, hein. C'est ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je vais partir aussi où il y a l'hôpital. L'hôpital, je vais couper les cheveux, les entraîner pas. L'hôpital, je travaille aussi. Tu travailles aussi à l'hôpital? Ah ouais. C'est quelqu'un qui casse la tête, comme ça, je pense que les autres, ils veulent pas. Ils veulent pas le faire. Voilà, ils ont c'est gratuit. D'accord. J'aime bien ça. Mais il fallait pas donner l'argent, moi je dis non, je veux pas cet argent. Moi j'ai besoin de travail pour. Je sais pas, c'est important pour moi l'argent. Non. C'est important pour moi, il est quelqu'un, il est par cette série. Très content et tout ça. C'est l'argent, on peut rien dire, ça fait rien. Non, c'est vrai. On en a besoin pour vivre, mais c'est voilà. Pas le plus important. Et le corps, vous avez bien. Le plus important, c'est la santé. Voilà, c'est ça, moi, je cherche. Être bien avec sa famille. C'est pas possible pour partir en France pour gagner de l'argent. Non, je veux pas ça. Je veux ça, moi, je travaille, je veux aider les autres. Vous avez pas l'argent et tout ça. Et regarde la définition, comment les dégrader. On n'est pas comme les autres regards. C'est ça, moi, je cherche, tu vois. Tu as vu? Ouais, ouais, j'ai vu. Déjà fini ça, regarde ici. Tu as bon dégradé. Au revoir, tes amis, si tu veux venir, comme chez vous. Il y a la peinture, il y a tout ce qu'il faut. J'aime bien cette métier. J'aime pas les métiers pour l'argent, non, j'aime bien moi. C'est moi, j'ai besoin. Si tu vas en France, qu'est-ce que tu fais de ce salon? Je vais fermer. Tu le fermes? Je reste là-bas. Tu le vends pas ce salon? Non. Parce que j'ai alloué son salon. Ah, d'accord. Moi, je cherche les stars. J'ai besoin, je travaille avec les stars. Tu fais tout, les pauvres, les stars, tout le monde. Tout le monde, ouais. Très chaud. Très chaud.
C'est pas trop dur. Ah non, vous avez l'habitude. Ouais. C'est Marrakech, il est l'habitude. Ouais, Marrakech, il fait Marrakech, plus chaud. Marrakech, il fait plus chaud. Ouais. Voilà. Tanger, non, vous avez rien, ça. Ouais. Ça fait rien pour moi. Regarde la coupe et après, je vais entrer, messieurs, la coupe, comment elle a fait pour lui. Regarde. Regarde. Il n'est pas fini, regarde. Regarde le dégradé, comment elle a fait le dégradé. Certain que le dégradé. Regarde. Tu as vu? Ouais. C'est l'émission, après tu vas voir comment on va changer bien pour lui. Tu vois? Faut que je te prenne comme caméraman, hein? Tu cherches ça? On dirait un ninjaku. Regarde. Personne n'est pas à faire comme ça. On dirait que c'est un ninjaku. Voilà. Tu connais les ninjaku? Ouais. C'est pas professionnel, il faut pas faire comme ça avec l'asma. Ah non, 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 moi je m'amuserai pas à faire ça. C'est un coup à s'ouvrir le crâne. Ouais. C'est vraiment sympa comme endroit parce que je trouve que ça fait vraiment cosy quoi. Cosy, hein? Petite et légère. Petit salon tranquille. Voilà, moi tout ça tranquille, hein. Barber shop. Il y en a beaucoup des salons en plus. Non, ici. Ce n'est pas comme ici, ça. Ouais, les je sais. Ouais, 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 ouais. Mais il y en a beaucoup. J'en ai vu beaucoup des, ouais. Salons, des salons dans Tanger, des salons, des barbeurs. Toujours ils viennent ici. Ah, tout ouais. Le monde. Ils viennent ici. Tout le monde vient chez oui, toi. Oui, ils viennent bien Marrakech. Même pas, tu vas sortir ici et tu dis le meilleur. Tu vas en ici. Le meilleur de Tanger. Ouais. Le meilleur de la Médina. Toujours les Médina et venir les autres ici. Les classes, vous n'avez pas l'argent, on n'a rien. Moi, j'ai un copain gratuit. Je fais du massage aussi de la tête. C'est vrai? Oui. Le thaïlandais, moi j'ai bien ça. Tu fais des massages thaïlandais de la tête? Ouais, la tête. Tu vas voir, après je vais finir le travail pour vous suivre. Après je vais montrer. D'accord. Tu vas voir. Tu vois? Ouais, je vois ça. Et lui, viens. Et lui, avant, on avait un truc. Et lui, c'est marocain, il habite à Tanger. Et lui, avant, il avait un grand bouton ici. C'est qui va sortir ça? C'est moi. Tu l'as, oui, avec comme tu m'as fait hier soir. C'est moi qui amène et je vais ouvrir. Avec la petite spatule là. Voilà, ouais. Reste pas lui. Regarde maintenant, il va changer beaucoup de trucs. Regarde. Rien de... Moi, je suis professionnel de ça. Si vous avez un kicker, vous avez un bouton comme ça. Je veux sortir. Et lui, avant, est ici, grand. C'est qui a fait ça? C'est toi. Merci, c'est vrai que. J'aime bien les pauvres. J'ai oublié de vous le dire. C'est gratuit, je l'ai fait pour lui. C'est gratuit pour lui. Ouais, gratuit. Il est gentil. Bravo, Sartek. Il partira à l'hôpital, il pense beaucoup d'argent pour lui. Pour essayer. Il va venir ici, moi je fais gratuit. C'est gentil. Moi j'aime bien les pauvres. C'est gentil. Chokran Sahri. Chokran. La tech Sahara. C'est vrai qu'hier, en fait, quand je suis passé dans la rue, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Je lui ai demandé, en fait, s'il était ouvert demain. Et quand il m'a regardé, il m'a dit, mais t'as un petit bouton ici. Ouais. Il a pris sa petite spatule à bouton, il m'a enlevé mon bouton, en fait. Voilà. Il m'a désinfecté gentiment et il m'a dit, tu touches plus maintenant. Voilà. Avec la petite... Parti. Ouais. Regarde, il m'a rien. Il est gentil. Merci, merci. Professionnel, regarde, je travaille à l'hôpital. Ouais, je vois ça, ouais. Pour l'hôpital, regarde. Je vois ça. Il n'est pas comme les autres. Je fais ça gratuit, moi j'aime bien faire gratuit. J'ai jamais vu par contre, alors j'ai déjà vu des coiffeurs qui faisaient des épilations oreilles, sourcils, nez, etc. Je mais travaille aussi avec j'ai jamais ça. Vu un coiffeur par contre qui enlevait avec les boutons. Ah oui, avec le fil, ouais, le fil c'est vachement voilà. Bien, ouais. C'est très très bien le fil pour voilà. La barbe. Mais un coiffeur qui enlève les boutons de ses clients, ça j'ai jamais vu. Mais pas en France. C'est pour ça que non. Je vais faire. Non, j'ai jamais France. Vu ça. D'accord. Après, peut-être que ça existe, mais moi, voilà. Dans les coiffeurs que j'ai fréquentés, j'ai jamais voilà. Vu ça. C'est pour ça que je vais vous montrer pour les autres. Je travaille avec ça, avec. Voilà. Je travaille avec ça, naturel. C'est quoi? C'est professionnel pour ça. Ça sert à quoi? Ça pour les pompes. J'entends dedans la machine. Regarde, après, je te montrerai, il y a la machine, j'ai rentré ça. Il y a les autres, il y a à faire pas ça. Moi, j'ai fait ça pour les clients. C'est des graines. C'est pour faire des soins? Des soins, voilà. Et des soins de quoi? Des cheveux? Du visage? Non, pour le visage. Ah, après, ça, je te montrerai pour voir les autres. C'est des graines de quoi? Ça, c'est naturel. Mais c'est des, c'est ça, des graines. C'est de l'eau, avec de l'eau, d'accord. Et après, elle fait de le visage. D'accord. Et il y a ici. Après, je te montrerai. D'accord. Tu connais bien la rave. Chouïa. Voilà. Regarde, et après, je ne travaille pas avec lui à ciseaux. Ah, non, j'intègre avec l'asthme. Ah bon? Ouais, tu vas voir là, le travail. C'est pour ça que c'est différent pour les autres. Les autres qui travaillent avec les ciseaux, moi, non, regarde.
Reste les cheveux bien comme un. Je vois ça. Définition et tout. T'es soigneux et appliqué. Hein. Mm-hmm. Tu vois. Ça, le travail à Dubaï, comme ça. D'accord. Mmh. Avec les gants, je travaille là, avec ça. Je n'aime pas les ciseaux arbres. Il m'a dit, il va faire la joie. Et toi, qui c'est qui te coupe les cheveux? C'est moi, je coupe les cheveux tout seul. Tu te coupes tout seul? Ouais. C'est pas trop difficile? Non, c'est pas difficile. Je vais faire la couleur tout ce que je veux. Couper derrière et tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la coiffure? Moi, tout seul. Moi, avant, on n'avait rien. Ouais. Je travaille dans le marché. Je veux faire beaucoup de choses. Et c'est ça, j'en ai. Et après, moi, je partais à l'école. J'ai besoin d'argent. À l'école. J'ai resté 2 mois à l'école. J'ai écrit, j'ai lu. Je parle français, je parle anglais, je parle un petit peu allemand. Deutschland. Yeah. C'est bien. Donc au départ, tu travaillais sur les marchés, puis après, tu as fait une formation de quoi? Voilà. D'accord. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Regardez comme ça. Super. Qui va faire ça, ta barbe, pour toi? C'est moi, je l'ai fait tout seul. Ah bon? Ouais, ah, ben bah, ouais. Pour un coiffeur. Je veux pas tous les jours chez le barbeur. Hein. Ah ouais, t'as raison. Je l'essaie de la faire tout seul, comme je peux. Et après, moi, j'étais en France, c'est à faire gratuit. Ah, c'est vrai? Ouais, pourquoi c'est pas. C'est gentil, ça. T'as laissé un ami, Inch'Allah. C'est gentil. Et pourquoi pas. En France, tu payes pas. Je paye pas en France? Ah, en France, tu payes c'est pas. Gentil. C'est gratuit. C'est gentil. Ouais. Et au Maroc? Au Maroc, il faut payer. On va venir chez toi, tu payes pas. C'est gentil. Tu n'as rien, c'est gratuit. Ah, ça s'appelle ça un massage thaïlandais. Ah d'accord, ça fait thaïlandais. Du... ça fait du bien. Ah. En France, je crois, il a fait le massage ou pas? Moi, les coiffeurs. Moi, les coiffeurs que je fréquente, ils m'ont jamais fait ça. Hein. Moi, j'ai fait ça. C'est pour ça que je veux dire que ça aurait une différence avec les coiffeurs. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça que je veux partir en France et en faire beaucoup de choses. Pour les autres, ils ne peuvent pas connaître. Ouf. Parce qu'il dit, ouais, je crois. Allez, j'ai un double. Là. Hey, c'est tonique, hein? Tu vois? Tu sors du coiffeur, t'as la pêche après. Hein. C'est pour ça que je dis, moi, je pense que là. Parce qu'on avait beaucoup de choses à voir dans les paradisies. Voilà. Et après, lui, comment il a fait pour vous? Il m'a dit après. Ah oui, oulala. Oh. C'est le massage gratuit pour moi. Ouais, c'est gentil ça. C'est gratuit le massage, la coupe. Tu fais ça à tout le monde? Avec à tout le monde, ouais. J'aime bien ça. J'aime bien rester avec les autres. Même pas les plans. Vous avez beaucoup de clients, je vais laisser. Ça fait mal. Et après, tu vas voir après. Regarde. Là, après, tu vas faire bien. Regarde. Fais doucement et attends. Après, ça, c'est Thaïlande qui a fait ça. Ah ouais, ça fait mal. Voilà. Et là, ça là. Fait mal d'abord. Et après, tu et vas après, voir. Après, ça détend. Ah ouais, parce que là. Regarde. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses? Bah, je me magnifique. Je me sens bien, mais ça fait mal. Non, hein. Mais si, par contre. C'est bien, c'est le Thaïlandais qui a fait ça. Après, elle est bien, parce que toi, tu as fait mal ici. Ah ouais? Voilà. D'accord. Après, tu as la tête très bien. Et après, tu es en voilà. Mode détente. Ou détente. Qu'est-ce que tu penses maintenant? C'est bien? Je suis où là? Chez le coiffeur? Ah ouais, chez le coiffeur. Chez le coiffeur, ok. Et oui, il arrive. J'ai l'impression de... Voilà. De m'être endormi pendant 2 secondes. Ah ouais, c'est... ça chauffe, hein? C'est magnifique, hein? Tu vas voir là-bas comment on va changer. On va faire...
La barbe Dubaï. Le massage, il m'a calmé. Hein. Ah ouais, c'est bien. Le massage, il m'a... J'ai jamais vu ça. Non, c'est... C'est magnifique. Après, il va changer les visages. Ah, j'ai de la chance, hein. Je suis tombé sur le bon coiffeur. Ouais, hein. Ça va faire bien pour ça moi. Fait plaisir. Ouais, après, tu vas changer. Bien. Merci à toi. La personne n'est pas forcée comme ça. Ça commence. Au café. Au café. J'ai jamais vu ça. Non. Et après, je t'en montre. Vas-y. Moi, j'ai. Ça, c'est bon. La fin. Tu vas voir. Tu n'es pas trop ici à Maroc. Ah, ça fait du bien, j'avoue, là, le masque que tu m'as mis au concombre. Voilà. Ça, un autre. Voilà. Ah ouais, ça sent bon le café. Voilà. Tu sens, monsieur, le café? Oui. Voilà, c'est ça, mon jour. Adhérer à l'oeil. Regarde, mets pas le truc, je vais changer, tu as vu? Ouais, j'ai vu. C'est le relooking extrême. Pas pour moi. Reste pas, il reste. Non, clair, non, j'ai vu. Tu devrais avoir une émission de télé au Maroc. Ouais. Incroyable, relooking. Ouais, avec Abdelaziz. J'ai besoin de travailler avec. Je te jure, je te verrais trop bien dans une émission de télé. Voilà. La télé, je travaille. Extrême relooking. Voilà. C'est ça que je cherche. Des trucs que moi, on fait comme ça. Ouais. Ok. Et on fait comme ça, et on fait comme ça. On va laisser pour les santé, tu vois. D'accord. Voilà. Il est très très. Et après, les clients, il est très content. Voilà. Et ça, pourtant, pour moi, les clients, il est bien. Bien. Ça fait du bien. Et ça sert à quoi le masque au café? Il sert à quoi le masque au café? Le masque est à faire des réunions pour le visage. Il est à faire rayonner le visage. Voilà, il change le visage. Regarde maintenant le visage. Ouais, c'est brillant quoi. Brillant, mais au vrai, tu vois. Tu m'as fait gagner 10 ans là. Voilà. Il y a 10 ans à l'école et 10 ans d'expérience avec les autres. Je travaille vite. Il y a un petit pack crème spécial. Donc là, ça va être crème, tu trouves quoi ici? D'accord. C'est une crème spéciale. C'est une crème à quoi? Regarde ça. C'est très joli. Ah, ça sent bon. Ça, il est fait pour les prochains. D'accord. Il va faire un peu pour le secours. Pourquoi? Il fait un petit de brillance pour les cheveux. Ah. Il ne tombe pas les cheveux. D'accord, ouais, c'est comme une cire brillante. C'est les autres, et après, il est tombé les cheveux. Ça, il ne tombe pas. D'accord. Ça, c'est très très joli. Il fait un peu brillance pour y sortir. Regarde. C'est la coupe à la Elvis là. Voilà. C'est ça. Tu veux comment le changer? J'avoue, ça fait. Oui, maintenant elle est parisienne. Très très parisien. J'avoue, on dirait un chanteur des bébés brunes. Voilà. T'as vu? La laque pour ne pas monter. Ah ouais, la laque, carrément. Ouais, mais la laque un petit peu, voilà. Et maintenant, il reste les cheveux comme ça. Même pas sortir, il reste les cheveux comme ça. Ne bouge plus. Classe. J'avoue, ça fait propre. Voilà, magnifique. Sartek. Sartek, mon frère. Voilà quoi. Oh, la Ebrajesh. Ah, il est soigneux, hein. De retour, j'ai l'impression d'avoir une coupe d'acteur américain des années 60. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. En vérité, et je vais pas vous mentir, je pense que c'est parce que je suis pas habitué du tout à ce type de dégradé. J'ai jamais fait des dégradés à blanc comme ça sur les côtés et puis avec un peu de touffe là. Donc ça me fait très bizarre. En fait, il y a un côté que j'aime bien. C'est celui-ci, mais celui-là, je sais pas, je le trouve un peu chelou. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'Abdelaziz, c'est une crème. Vraiment. Hyper gentil, hyper attentionné. Moi, je trouve qu'il a fait ça proprement, puis il m'a fait un petit soin, etc. Il m'a même rattrapé la barbe, en fait, parce que je l'avais mal taillée moi-même. Vous voyez, là, ça fait nickel. Il l'a taillé, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle note vous mettriez sur 10, en sachant que 10 est la meilleure? Je vais payer 70 dirhams, ça fait moins de 6 euros.
coupe, barbe, soin. Non, franchement, hyper sympa. Voilà, il m'a même fait le contour des sourcils et tout. Hier, il m'a retiré un bouton. Enfin bref, très gentil Abdelaziz. Et ben voilà, fin de vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah oui, puis je mettrai les coordonnées d'Abdelaziz dans la barre de description, hein, avec la géolocalisation du lieu. Voilà, je mettrai son numéro. Il m'a donné son numéro WhatsApp. Il m'a même dit d'ailleurs qu'il cherchait un associé parce que son rêve, c'est d'ouvrir un salon en France. Voilà, au cas où. Le message est passé. Merci à tous. Ciao. Voilà. Le meilleur coiffeur de Tanger. Je travaille aussi avec le cinéma. Fais ta gomme, je connais. Tout le monde vient chez toi. 200 dirhams. Ah ouais. On dirait un ninjaku. Regarde, pas l'argent, on n'a rien. Moi, j'ai un copain gratuit. Je fais des massages aussi de la tête. C'est vrai? Tu fais des massages thaïlandais de la tête? Ouais. Pour lui. C'est gratuit pour lui. Ouais. Mais un coiffeur qui enlève les boutons de ses clients, ça, j'ai jamais vu. Regarde. Voilà, non, non, après, on va faire la barbe Dubaï. C'est le relooking extrême. Voilà. Le meilleur coiffeur de Tanger. Je travaille aussi avec le cinéma. Fais ta gomme, je connais. Tout le monde vient chez toi. 200 dirhams. Ouais. On dirait un ninjaku. Regarde, pas l'argent, on a rien. Moi j'ai un copain gratuit. Je fais des massages aussi de la tête. C'est vrai? Tu fais des massages thaïlandais de la tête? Ouais. Pour lui. C'est gratuit pour lui. Ouais. Mais un coiffeur qui enlève les boutons de ses clients, ça j'ai jamais vu. Regarde. Voilà, non, 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 après, on va faire la barbe Dubaï. C'est le relooking extrême.